Être une femme accordéoniste, je ne sais pas si c'est un avantage, mais cela demande beaucoup de temps d'être chef d'orchestre. Il faut organiser les répétitions, prévoir les arrangements et surtout chercher les contrats. Ce qui est important pour moi, c'est l'harmonie au sein du groupe. Nous sommes quatre musiciens sur scène. Alors il y a Eric à la batterie, Jean-Claude à la guitare et Manu au clavier. Si je connaissais le milieu du thé dansant, non, pas du tout. Enfin, je savais que ça existait, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment. Comment je le définirais? C'est carrément une autre planète, c'est un autre monde. On a beau avoir été prévenu, le premier jour où vous vous retrouvez avec 500, 800, voire 1000 personnes, des fois, en train de danser une bourrée auvergnate devant vous, ça surprend quand même. Alors, on peut nous retrouver dans tout le Grand Ouest. Voilà, on se balade souvent. Notre agenda est bien rempli. Et chaque année, on organise un séjour dansant qui allie vacances et danse. Voilà, une anecdote. Ça se passe en Crète, c'est ça, lors d'un séjour dansant, justement, qu'on fait tous les ans. Enfin, pas tout le temps en Crète, mais... Et avec mon batteur, là, on se perd le premier jour de l'excursion, en fait. Voilà. Donc, on y a eu droit toute la semaine par nos clients. Pourquoi avoir choisi l'accordéon? En fait, je pense que c'est l'accordéon qui m'a choisi à l'âge de 6 ans. Et grâce au côté familial, j'ai pu vivre et puis profiter de cette passion très, très vite. Ce que j'aime dans cet instrument, c'est que je l'attache dans mon dos, je tiens sur mon cœur, il respire avec moi et puis surtout, il me sert à communiquer avec le public. Comment j'ai connu l'orchestre? Sur Internet, tout simplement, en répondant à une annonce, je cherchais du travail. Et tout a commencé par un mail auquel je n'ai reçu aucune réponse. Mais comme je suis quelqu'un d'assez tenace, j'ai réitéré mon mail jusqu'à avoir la réponse de Véronique et nous nous sommes donné rendez-vous. Eh bien, donc par mail d'abord, les premiers contacts et puis ensuite une rencontre dans la ville de Rennes. Je suis venu faire une audition chez Véronique et tout s'est passé comme ça. Je suis revenu de ma Champagne natale pour venir voir l'orchestre évoluer en Bretagne. Et puis, on s'est donné la chance de pouvoir le faire. Alors, ce qui m'a séduit, quand j'ai entendu l'orchestre, c'est surtout cette faculté de pouvoir transformer les tubes d'antan en des morceaux dansants pour les gens aujourd'hui. Il y avait une création et ça m'a vraiment touché. Ouais. Grâce à ce DVD, je souhaite montrer l'ambiance qui règne dans l'été dansant et puis adresser un petit clin d'œil à tous les danseurs. Alors, le mot de la fin, c'est toujours le même à la fin de chaque bal, c'est portez-vous bien et à bientôt sur les pistes.